Patrimoine réalisé par Jean Eustache avec au casting Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léo et Françoise Lebrun. Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground et depuis 2-3 ans plus rien. La musique pop est devenue religieuse et je n'aime que la musique populaire. Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit. Ça dépend des jours et des opinions. Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder. Je suis affreuse. Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien. Foutez-moi le camp! Oust! Je liquide! Mon cœur est une fleur d'automne sans ça. Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste. Je vous le donne. Alexandre vit avec et au crochet de Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage qu'il lui a fait en forme d'expiation. Il accoste, alors qu'elle quitte une terrasse, Véronica. Un terme à Laennec, Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle. Le chef-d'œuvre du cinéma français, un bloc de 3h40 que j'ai eu l'immense chance de découvrir sur grand écran au Festival international du film de La Roche-sur-Yon l'an passé, le premier jour du festival, à 8h30 du matin. De quoi bien mettre en jambes. Film de 1973 qui remporte le Grand Prix du Festival de Cannes, il a été complètement restauré pour être projeté à Cannes l'année dernière en 2022, puis lors d'une ressortie nationale dans quelques rares salles de l'Hexagone. Je vous invite tout de suite à vous rendre sur la plateforme France TV. Le film est normalement disponible pendant la durée du Festival de Cannes de cette année en 2023. Je vous invite réellement à en profiter pour le découvrir ou le redécouvrir parce que vous n'êtes pas prêt de le revoir passer. Le film n'est que très rarement disponible. Aucun DVD, aucun Blu-ray, quelques cassettes vidéo de la version d'origine circulent sur certains sites de revente. Également, aucune plateforme ne propose le film. C'est un bijou rare où chaque occasion de le voir est peut-être la dernière. Bref, pour la faire courte, le film est une pépite en termes de développement de personnages et de dialogues. Des dialogues et des situations qui sont dans l'air du temps mais qui à l'époque, en 1973, étaient complètement tabous. Vous risquez de ressentir la longueur du film, ça parle énormément. Mais si vous vous laissez porter par le film, le récit vous transportera dans un triangle amoureux cruel et vous déchirera le cœur tant vous serez attaché à chacun des personnages. Un chef-d'œuvre de la nouvelle vague, le plus beau film de Jean Eustache. Je vous laisse aller découvrir la bande-annonce avec les visuels de la remasterisation sur la chaîne YouTube des films du Losange. C'est merveilleux, le boulot effectué est ahurissant, le film est presque plus beau que certains sortis récemment. Un film de patrimoine sauvegardé à tout jamais que je vous invite une énième fois à visionner dès que vous en avez l'occasion. Je vous laisse pour ma part avec la sublime voix de Françoise Lebrun pour ce chant bouleversant qui vous dira sûrement quelque chose. Tout simplement comme une rose que l'on cueille un jour sans raison. Vous avez pris mon cœur morose en passant devant ma maison. Mon cœur est une fleur d'automne. Sans savoir pourquoi ni comment, vous l'avez pris, je vous le donne, tout simplement.